se passe très bien pour aujourd'hui. Ne vous en faites pas, tout a été prévu. Nous avons pris des dispositions pour que l'émission puisse bien passer. Alors, nous saluons tout le monde, tous ceux qui nous suivent de partout. Que ce soit en Amérique, en Asie, en Océanie, en Europe, en Afrique. Je vois les frères qui sont à Durba, à Iziro, Dungu, Ariwara, Kampala, et au Kenya. Et je profite encore de saluer mon frère, le pasteur Harrison, Nairobi. I'm greeting my brother Harrison from Nairobi, Kenya. God bless you. Ok, aujourd'hui nous allons aborder un sujet très important. Et par la grâce de Dieu, nous allons parler sur l'ordre dans l'église. Mais avant d'entamer le sujet, nous allons chanter un peu avec l'homme de Dieu assez. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Na maloba na yo, nyonso ezali sami.
Lo sambo nangalo, yano la yango yami. Yembe lama, yonzamba basantu. Yembe lama, Yesu Masia, moyoki lo sambo. Yembe lama, yembe lama. Yesu Masia, moyoki lo sambo. Que le Seigneur Jésus-Christ exauce toutes vos prières. Si quand colo Jésus Christ a coupé sa balosam mon abino nyonso. Même si nous n'allons pas parfois faire mention de vos problèmes dans ces messages, moi je crois au miracle. Je crois que cet évangile, l'évangile de la vérité, l'évangile éternel, a le pouvoir de guérir. A le pouvoir de résoudre les problèmes. A le pouvoir de manifester les miracles, les prodiges. Ce n'est pas en vain que je dis ça. Nous détenons beaucoup de témoignages concernant la puissance de cet évangile. Raison pour laquelle, même si on ne fait pas mention de vos difficultés, de vos maladies, exercez seulement l'oreille. Le Seigneur manifestera quelque chose. Moi je le crois. Je sens la présence du Seigneur. Et le Seigneur fera quelque chose. Ok, comme nous vous avons promis, et nous allons commencer aujourd'hui notre message sur l'ordre dans l'Église. C'est un message que nous allons exploiter dans plusieurs séances. Et aujourd'hui, nous allons introduire sur ça. Alors, partagez la vidéo. Et sans plus tarder, l'homme de Dieu assez va lire l'Écriture. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33. Nous lisons le nom glorieux de Jésus. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Okay. Comme dans toutes les églises des saints. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Dans cette écriture que nous venons de lire, c'est bien mentionné. Noir sur blanc. Que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Si Dieu n'est pas un Dieu de désordre, comprenons directement que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et comme il est un Dieu d'ordre, nous devons l'adorer dans l'ordre. Amen. Toute adoration qui Amen. S'est faite Amen. Dans le désordre, Dieu n'est pas là. Amen. Et à travers cet enseignement, nous allons comprendre que ce que l'ordre. Mais prenons d'abord une écriture. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 18. Dans cette écriture-là, Jésus-Christ dit, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Vous voyez, dans cette écriture, l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Parce que nous parlons sur l'ordre dans l'église. Et Matthieu chapitre
16, le verset 18 précise que l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Et Matthieu 16, 18, ils ont fait sa vie. Pour dire tout simplement que l'église, ce n'est pas un héritage laissé par ton grand-père ou par ton père. Non, l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ, c'est clair. Et si c'est la maison de Jésus-Christ, c'est l'ordre de Jésus-Christ qui doit y régner. Pour dire tout simplement que les hommes ne peuvent pas venir avec leurs pensées, leur philosophie, leur façon de voir les choses, leurs principes et venir les établir dans l'église. Et c'est ce qu'on appelle le désordre. Mais comme c'est la maison de Jésus-Christ, non, c'est l'ordre de Jésus-Christ qui doit y régner. Ce sont les principes de Jésus-Christ qui doivent y régner. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors le désordre c'est quoi? Le désordre, si un prédicateur, un prophète, un docteur, un évangéliste, un apôtre, un prêtre, que dirais-je encore, un bishop, vient avec ses propres pensées, sa façon de voir les choses, ses principes, et les établir dans l'église. C'est ce qu'on appelle le désordre. Mais l'ordre, si seulement si l'enseignement et la doctrine de Jésus-Christ règne dans l'église. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous venons de comprendre dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, que l'église, ce n'est pas la propriété privée d'une personne. Ce n'est pas l'héritage laissé par ton grand-père, par ton père, pour faire de n'importe quoi. Mais c'est la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons une autre écriture. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 8. Là, l'homme de Dieu a sait lire ça. Genèse 2, le verset 8. Ok. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Ok, le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Dans cette écriture, Dieu lui-même planta un jardin. Si on peut poser la question, le jardin d'Éden, c'était la propriété de qui? Mais il n'y a pas de débat. Celui qui a planté le jardin, c'est lui le propriétaire. Et qui avait planté le jardin? C'était Dieu lui-même. Pour dire tout simplement que le jardin, c'était la propriété privée de Dieu. C'est Dieu qui avait planté ça. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, on peut comparer aussi ces jardins-là à la maison de Dieu. Et après avoir planté le jardin, ou en d'autres termes, bâti sa maison, Dieu a mis l'ordre dans le jardin.
Et l'ordre qu'il avait mis dans le jardin, c'était l'arbre et la connaissance du bien et du mal. Maintenant, il a pris l'homme, il l'a placé dans sa maison, dans le jardin. Qui à toi l'homme de respecter l'ordre établi par le propriétaire de la maison? Et si Kalinde pas une homme auto kotosa et tinda ton molongo ou le tiami na kolonda pour ezalinzambe. Et vous-même, vous connaissez la suite. Lorsque Adam avait transgressé l'ordre établi par Dieu dans sa maison, dans le jardin, Adam a été sanctionné. Et bino pe boye bin nengeni li solo et kobatango Adam wa bukaki mobeko molongo et tiamaki nelanga Adam wa zoke tumbu. C'est-à-dire dans l'église comme la maison du Seigneur, la maison de Dieu, Dieu a établi l'ordre. Il a établi des règles et des principes à respecter. Zambatia maye o esengeli moto a tosa. Et si vous rejetez ces principes, il y a la sanction. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà un peu. Mais remarquons, on va faire un peu la broderie dans cette écriture aussi. Là, dans le jardin, c'est Dieu qui avait planté. Ok, c'est Dieu qui avait planté. Mais Adam est venu pour garder. Là, toujours dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 15 à 16. Adam devait garder aussi les jardins. Vous savez, selon les Écritures, que veut dire garder? Les Écritures s'interprètent elles-mêmes. Vous voyez, dans ce qui concerne l'interprétation, ce livre de la vérité que vous appelez la Bible, c'est un grand dictionnaire. Alors, si vous lisez dans les Écritures, gardez, gardez, allez chercher aussi dans le même dictionnaire que veut dire garder. Là, nous cherchons seulement l'origine de l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. Paul a planté et Apollos a arrosé. Et Apollos a soupi mai. Vous voyez, si vous prenez l'écriture, dans Ésaïe chapitre 27, le verset 2 à 3, l'homme de Dieu a dit, tu peux lire, nous sommes là pour la parole. Ésaïe chapitre 27, le verset 1 à 3. Ok. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. En ces jours, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée. 27, hein? 27. Ok, 2 à 3. 2 à 3. En ces jours, chantez un cantique sur la vigne. Ok. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, j'ai la garde. Oh, que Dieu soit loué. C'est ça le dictionnaire céleste. Ce n'est pas écrit par Larousse. C'est écrit par Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, dans le dictionnaire céleste, garder veut dire aussi arroser. Vous voyez, c'est-à-dire garder, c'est arroser. Dieu devait garder sa vigne. Mais en l'arrosant. Par là, nous disons, l'église n'est pas gardée par le courage, comme on dit à Lingala, Nanzunzu.
L'église est gardée par l'enseignement. Non, il faut enseigner le peuple pour que le peuple soit gardé. Ce n'est pas par des agitations, des courages inutiles, mais c'est par l'enseignement. C'est l'enseignement qui garde la vie. Il garde le champ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais nous prenons seulement cette pensée que garder veut dire arroser. C'est-à-dire Adam qui gardait veut dire aussi c'est Adam qui arrose. C'est là où Paul a puisé l'écriture. Moi j'ai planté, mais Apollos a arrosé. Mais dans Genèse chapitre 2, Dieu lui-même c'est celui qui a planté. Revenons maintenant dans la doctrine. Nous disons ceci, que le jardin, c'est Dieu qui était le propriétaire de ces jardins. Et il a mis de l'ordre dans les jardins. Et tout celui qui devait transgresser cet ordre, comme Adam l'a fait, il y avait des sanctions. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est-à-dire, quand on entre dans la maison du Seigneur, qui est l'église, on ne peut pas marcher comme on veut. On ne peut pas enseigner comme on veut. Même si vous êtes prédicateur, il y a des principes, des règles à observer. C'est ce qu'on appelle l'ordre. Avant que tu ne naisses, l'église a déjà existé, hein? Et les apôtres ont établi des principes et des principes à suivre. Et c'est ce qu'on appelle l'ordre quand on observe ces principes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, regardons. Je prends un autre exemple. Toujours, nous sommes dans l'introduction. Là, c'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 17. On commence par le verset 24. On ne va pas lire. 2 Rois 17, le verset 24. Ok. Dans cette écriture-là, lorsque Israël est allé en déportation en Assyrie, il y avait le roi d'Assyrie qui est venu avec les nations étrangères en Israël, précisément à Samarie. Il les a établis à Samarie. Vous voyez, cette terre-là qu'ils ont occupée, c'est-à-dire les peuples étrangers, ce n'était pas leur maison. Ils étaient des étrangers. Mais cette portion de terre qu'ils ont occupée, la portion d'Israël, c'était la propriété privée de Dieu. Et Dieu avait établi un ordre de principe à observer dans sa maison, c'est-à-dire en Israël. Ces nations présentes à Samarie, elle ne connaissait pas la loi du pays. Elle faisait comme elle voulait. Elle marchait comme elle voulait. Sans observer l'ordre que Dieu avait établi dans sa propriété. Oh Seigneur Jésus Christ.